Maman, à l'école. L'école, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je ne le savais pas jusqu'à lundi dernier. Je me suis habillée et avec maman, nous y sommes allés. Derrière une des grandes portes jaunes, il y avait quelque chose d'affreux. Une dame souriait et autour d'elle, des gars et des filles de mon âge pleuraient. Figurez-vous que leurs parents étaient partis, disparus, envolés. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Pour empêcher ma maman de s'échapper, j'avais plusieurs idées. La technique du bébé orang-outan. La position du chat sauvage. Et pour la faire craquer, la technique du chiot écrasé. Finalement, maman a fait une grosse grimace et elle est restée. J'étais tellement contente. Avec la maîtresse, on a tous chanté une chanson. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Maman chantait plus fort que tout le monde, alors on l'entendait bien. Puis, nous sommes allés nous laver les mains. Je faisais bien attention à ce que maman reste dans la file. Au moment de la sieste, maman prenait quand même trop de place sur le matelas. En plus, comme elle ronflait, ça empêchait un peu les autres de dormir.